Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec WHERE et AND. Donc notre base de données info-ani contient une table animale. Donc là on va faire des recherches par exemple sur la durée de vie des animaux. On va se dire voilà, je voudrais savoir parmi tous mes animaux là, quels sont ceux qui vivent plus de 50 ans. Ok. On pourrait faire une autre requête en disant, par exemple, ceux qui vivent moins de 70 ans. Ok, donc là on en a un certain nombre. Et puis là on pourrait se dire, ouais, mais moi je voudrais savoir ceux qui vivent entre 50 et 70 ans. Hein. Donc là on va utiliser AND, c'est-à-dire qu'on a une première condition lifespan qui doit être inférieure à supérieur ou égal à 50 et en même temps inférieur ou égal à 70. Donc voilà, donc là on obtient bien notre résultat. Donc là ils ont des durées de vie qui sont comprises entre les deux. Alors il y a, pour la petite histoire, il y a, donc on peut aussi obtenir ce résultat en utilisant un autre opérateur qui s'appelle between. Donc on va dire durée de vie entre 50 et 70 ans. Voilà. Hop, on obtient exactement le même résultat. Alors ça c'est possible parce que lifespan, la durée de vie, donc c'est sur le même critère finalement. Alors admettons, on voudrait les animaux qui vivent plus de 50 ans, et donc comme on avait tout à l'heure, voilà, et en même temps qui vivent dans le désert. Alors dans ce cas-là, il va falloir qu'on rajoute un and, et donc l'habitat. Il faudra que ce soit le désert, donc il faut que ça contienne le mot désert. Alors on va mettre un petit pourcent à la fin. Voilà, donc là normalement on a juste un animal qui vit entre plus de 50 ans et qui habite dans le désert. Écoutez, sur ce, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.